Justice, Sécurité et Défense nationale dans le Sénat. Sénateur d'Ouest Jean-René Senatus mandé commission éthique et anticorruption qui est en tête de sénateur Yuri La Tortue pour prendre responsabilité dans le scandale corruption et blanchiment. L'agence a côté Kester, au nom de lui, impliqué selon la police. Selon sénateur l'Ouest, non, il y a nécessité pour que la lumière qui peut faire sous dossier ça parce que il dit qu'il y a trop scandale qui absale et Sénat. Jean-René Senatus dit espérer commission éthique et anticorruption. Pas prend aucun prétexte n'a cité pour pas mener enquête sur dossier ça. D'après sénateur Jean-René Senatus, commission pas doué là pour enquêter n'a cité sous exécutif là seulement. N'a attendé président commission justice sécurité et défense nationale non Sénat sénateur l'Ouest Jean-René Senatus dans micro Vilner Joseph. 23 jours, je ne viens pas ici. Je préfère chita dans l'école pour me former tout le monde. Parce que je m'estime dans le Sénat, ça a mis. Il y a trop de problèmes et que je suis trop chai dans le dôme. Par rapport à ça, je ne attends de moi. Je ne pas venir, mais je dis à venir pour me travailler. Parce que je suis le président de la FSC. Je viens de travailler. Sénat grand pile problème, autant de problèmes chaque jour. Et c'est très dur pour y avoir un sénateur dans corruption, un sénateur dans sim dans ça. Je dis à moi, ça va dépendre de moi, non dépendre de commission éthique et anticorruption en dans Sénat. Mais là, mon engagement à Libye, là, il faut que chacun prenne responsabilité. Ouais, bah, là, je me prends, Pour me dénoncer ça qui a fait des autres, je me dénonce. Il y a des gens qui me disent, au peuple, moi, il y a des gens qui me font une menace, il y a tout y aime. Il y a tué mon bureau, il y a tué la caille. Je ne vais pas rien pour moi, nad marinad dans la mesure où je suis un élu, je fais travail de l'homme. Je dis à moi, je pense que la commission éthique et anticorruption du Sénat, il doit prendre responsabilité. Ce n'est pas seulement parler de l'exécutif là, c'est pour parler de nous-mêmes, nous tous. Si il y a une enquête qui doit mener sous Jean-René Senatus, c'est pour M. Youi la Tortue et son équipe, qui mène l'enquête là. Pas de question à venir me dessaisir, crémole. C'est pour nous. Moi-même, je voulais gagner lumière tout comme sénateur. La justice saisie, ça fait garder la justice qui saisit. Mais moi-même, comme sénateur qui appartient à quoi, je dois gagner vérité. Le sénateur, au nom de Dieu, vini, qui se collègue moi, nous avons de très bonnes relations. Il faut me connaître, est-ce que ça y a dit, ah, c'est vrai. Là, on dit, madame Gilles, madame Georges, madame Casséus, qui n'a pas une question de corruption, nous avons dit, je l'ai parlé de lui. Il faut me connaître, est-ce que ça y a dit, ah, c'est vrai. Est-ce qu'il y a parlé? Est-ce que c'est comme pas Sénat, pas Madame Georges, pas au nom de Dieu, ou du moins c'est comme l'État? Si c'est comme l'État, il faut que nous ayons vérité sous lui, pour nous connaître qui ça l'a fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, pas rien avec assez feuilles pour vous, ça là, bon, pas couvrir encore dans la rue. Voilà, c'est le président de la Commission Justice, Sécurité et Défense Nationale, là, sénateur Jean-René Senatus, dans le micro, Vilner Joseph. Bon côté parle, président de la Commission Éthique Anticorruption, c'est président Sénat, sénateur Latibonitlan, Yuri La Tortue, fait qu'on est commission, la dirigea, pas capable à mener enquête sous dossier scandale corruption, ça, qui concernait, un membre, important, nous capable de puissant, dans le Sénat, avec blanchiment l'agent, en parlant de Kester, et au nom de Louis. Et selon sénateur Yuri La Tortue, à cause de la justice déjà recevoir rapport de CPJA commission, pas capable et saisir de enquête là encore. Ancien président Sénat et précisé ses conférences en président en Sénat qui toujours baille commission yo mandat pour enquêter sur tout dossier. N'attend des dirigeants à sénateur Yuri La Tortue, t'es pas des concerts dans micro Vilner Joseph. Nous apprenons, et justement, un rapport qui sortit dans le DCPJ et que Fondation J'éclairé relayé. Nous-mêmes, au niveau du Sénat, nous guidés par les règlements. Et à l'article 227 du règlement, il est dit que dès que la justice est saisie, eh bien, les commissions sont dessaisies. Donc, au niveau de commission, nous pas qu'à rentrer encore dans l'enquête puisque la justice est saisie. Maintenant, au niveau de la conférence des présidents et de l'Assemblée, il y a qu'à poser problème là et pour y analyser. Mais cependant, la commission éthique et anticorruption n'a pas mené aucune enquête et je voulais que tout le monde comprenne ça. Parce que le blanchiment des avoirs, ça t'a dit pour vous. Attends, moi, j'entends que les gens qui dit oui, la commission a fait enquête sur des malogues, sur Petro-Caribé, ils n'ont pas passé la cali. Non. Petro-Caribé, c'est l'Assemblée qui a été saisie. La justice n'a pas saisie. Dermalogue encore, c'est la conférence des présidents qui te saisit. Jodia, la justice est saisie, donc commission pas pour entrer dans ça. Donc nous-mêmes, acteurs, que si la justice fait une requête à l'Assemblée, le ça c'est l'Assemblée qui va l'agir.
Mais la commission lui-même n'est pas capable d'enquêter, côté que la justice là déjà a enquêté mon rapport de police judiciaire qui est allé au niveau des tribunaux. Non, nous pas qu'attendre puisque c'est la justice maintenant qui est saisie. C'est-à-dire que quand un problème qui est posé, problème là qui a posé la conférence des présidents, où il a examiné, mais le Sénat n'a pas qu'à faire enquête encore, puisque l'enquête se trouve au niveau de la justice. Ça, ça veut dire pour nous-mêmes, dans le niveau Sénat, pour nous, un sénateur, questionner, impliqué dans la question de blanchiment des avoirs. Écoutez, moi, je crois que un rapport qui sorti, il y a toujours la règle de la présomption d'innocence. Moi, je pense que, on procédure qu'a fait, nous-mêmes, avant de nous opiner sur ça, nous préférons attendre qui ça la justice a dit, et c'est à la justice pour nous-mêmes. Nous fier nous pour le moment. Pas qu'on t'a répondu distance tout, j'en sais pas avec Gracia Delva, t'es intimement distancé dans la question du Sénat. C'est ça, la décision du sénateur Delva a été une décision personnelle. Et constatons le problème posé au niveau de la conférence des présidents ou de l'Assemblée, car il y a certaines décisions qu'il prend au niveau administratif et ou à d'autres niveaux. Cependant, il ne revient pas au sénateur La Tortue, justement, de dire exactement que faire. On attend la conférence des présidents, l'Assemblée, ou si c'est une décision volontaire, comme ça a été pour le Sénat. N'a pas retourné la Caïpanou, Jean-Claude Dioudi, dans le finissement journal là hier après-midi. Tu as une activité, secteur démocratique et populaire, tu organisé, qui te signature document, les alternatives, tête ensemble pour refonder Haïti. Et ça t'est déroulé dans l'hôtel Plaza sous Chenmas, après deux journées de discussion. Document ça. Yo pas trop fait gros changement la donne après l'elle yo te fin nan consultation avec plusieurs secteurs te rivé et fait document ça nan rencontre qui te fait nan Royal Oasis hôtel Royal Oasis dans Pétionville. Donc on prévoit une transition cap chita sous 3 ans avec un président cap sorti dans la cour de cassation et il a présenté document officiellement la date 8 septembre qui a venu là dans ville Mirbalais. Côté toute opposition à présent, d'après sa maître André Michel, te préciser dans le micro, reportons-nous à Amos Breville. Ça nous fait là, c'est pour un parti politique nous fait. Ce n'est pas une alliance électorale nous fait. C'est un rassemblement des forces de l'opposition plurielle. Mettez-vous ensemble pour mener la bataille là ensemble. Et tout ça nous va le faire, nous va le faire ensemble. Nous va le faire mobilisation ensemble. Et je ne vais pas lever la tête, moi, je vais dire que l'alternative, ça a joué une adhésion. La principale force politique dans l'opposition qui est engagée dans la bataille, force sienne, faut qu'elle a donné au bord de type de saline, compite, ou le secteur démocratique là, qui a la donne, tout parti politique qu'on est, au sénateur, député, branche institution de l'opposition sienne, ou est, il y a un groupe régional qui sien, ou est colonel Rébu sien. Ou bien on a l'autre groupe, parti politique très représentatif qui signe, ou bien on a 50 de partis politiques pratiquement qui signent un document ça, sans pas parler de Petro Challenger qui signe, qui adopte, sans pas parler des organisations sociales, sans pas parler de personnalités indépendantes, personnalités engagées dans la bataille politique. C'était difficile pour nous avec l'accouchement ça? C'était très difficile. Ça fait plus de 3 mois de discussion, de débat entre nous, mais finalement, nous avons endossé cette alternative. Cette alternative, c'est notre alternative, c'est notre bébé. Et nous prenons la bataille pour faire la promotion de cette alternative. Nous prenons la bataille pour l'application effective de cette alternative. Et le 8, quand nous sommes là, le 8 septembre, à Mirbalais, on va faire la présentation officielle de cette alternative à la nation. Et déjà, nous attendons les partisans de l'opposition, nous attendons tout le monde. Sauf son juge qui va gagner appartenance politique, faut que son juge qui est politiquement désintéressé. Parce que pour le monde qui a appelé de faire campagne pour le président. Premier ministre là, l'absolute sont leur société, on leur état, dans l'intérêt de tout le pays. Et nous disons, pendant la période de transition, on sait que tout arrivé à fait, on sait massacre à Saline à fait, à bien transparence dans la gestion de l'État, et le gouvernement va bien plus que 14 minutes, ministre, pas pour avoir un gaspillage dans l'agent d'État. Bref, qui différence entre les documents qui sont sortis Oasis là avec ça, je veux dire? Ça le fait. Nous ne pas négocier avec le monde qui a assassiné le monde dans la manifestation. Le combat pour le renversement de Jovenel Moïse, c'est le nouvel mener jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale. Le peuple a reconnaît la transition, ça, c'est pas une transition de rupture. Ça va être la dernière transition pour nous rentrer définitivement dans la normalité institutionnelle, dans la normalité politique. Voilà,
c'est déclaration Maître André Michel et puis il y a sociologue Anthony Barbier qui était présent dans ce document ça avec un secteur démocratique là sous question pour Jovenel Moïse qui était pouvoir, il était parlé comme ça dans le micro Amos Breville. C'est pas un autre document. C'est proposition alternative pour les Jovenel aller secteur démocratique et populaire là qui proposé depuis longtemps. Mais nous faisons le tour de ensemble force politique opposition parce que ni blanc ni secteur des affaires là le dit c'est parce que opposition divisée donc nous réunir le maximum de secteurs autour de proposition de sortie de crise que nous avons fait pour le journal à l'air nous avons fait nous pas de signer parce que c'est organisation parti politique, personnalité, un groupe qui est dans le secteur qui fait ça ensemble. Pour nous prendre temps à chercher l'autre groupe, et c'est comme ça, nous, M. André Victor, tu es là pour force opposition progressiste. Ok? Et nous gagnons IPAM, son groupe Plan Nord, nous gagnons tout syndicat, côté nous réunis dans l'Oasis, là-dedans. Je dis à nous faire cérémonie de signature document. Parce que je dis un document, c'est bon. Il y a le pilage. Le pilage, c'est pas un document en l'air, mais c'est pas force démocratique. Ils apprennent nous réel alternative consensuelle à partir de jeudi. On ne peut pas dire nous encore, l'autre jour, on va aller qui s'accroît le fait. S'accroît le fait là, nous mettons là. Les gens qui pas d'accord avec, ou à nous pas d'accord avec. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui fait. Parce que la majorité opposition, mettez-vous d'accord derrière bagages. Et bien, mobilisation, c'est notre bagage. Non, c'est négociation à venir en face tout. Dans l'opposition. Parce que nous avons un pays divisé, nous avons une opposition en pile. Donc, il faut continuer à faire dialogue. Donc, comment ça à permettre nous un faire dialogue là-dedans. Donc, même, il faut faire mobilisation. Okay. Parce que c'est pour la population en entier qui pour lever pour dire Jovenel l'aller, nous ne pouvons pas remettre des pas Jovenel dans mes Jovenel. Ce n'est pas Jovenel seulement qui vous décide qu'il est pour aller. C'est peuple haïtien qui a subi sa Jovenel affaire, qui a dit qu'il est pour Jovenel aller. D'accord, merci à vous. Voilà, c'est sociologue Anthony Barbier, toujours dans le micro Amos Breville. Nous allons entendre Ramilis Bolivar, qui représente le secteur paysan. Nous connaissons, c'était un militant Lavalas. Et de constater documents tête ensemble ça capable mettre pays à n'absiter sur route développement surtout améliorer conditions la vie paysan yo dans question production nationale n'attendez ancien député Ramilis Bolivar qui te parlait concernant dans micro Amos Breville. Ça motive parce que le pays a rentré dans des rues. Dans aucun moment, le pays ne peut passer des crises. Nous avons tellement connu des crises qui fatiguent le pays. Nous avons gagné 5 présidents dans 2 ans. Mais nous vivons aussi bas. J'ai payé à l'arrivée aujourd'hui, alors que j'ai mouru dans le niveau ça. Ça motive, ouais, ça motive, mon monsieur document, il faut que un bagage qui fait quand même. Qui sont les documents qui la donne qui est présent dans avantage, pour avantage pour premier bagage document, c'est pluralisme. Ça veut dire ensemble des secteurs qui partent ensemble hier, qui mettent ensemble aussi un document, ça seulement que tu as fait force document. Force document. Oui. Ça seulement que tu as fait force document, reste bataille là, abdure ça. Abdure ça. Oui. Au moment où vous parlez qu'il y a bougé dans la bataille, normalement vous ne pas Jovenel Moïse au pouvoir et pour arriver avec votre résolution de la bataille. Parce que une bagaille pour Haïtien comprendre, il faut que l'institution vive pour Haïtien vivre. Parce que la collectivité territoriale là, je ne veux pas exister. Ok. Pas exister dans le pays. Hein? Comme collectivité territoriale, là, c'est maman matrice paysan. Si collectivité territoriale n'a pas vu, paysan n'a pas vu. Parce que élection collectivité territoriale, là, pas, à savoir organe collectivité, exécutif collectivité territoriale, là, en fait, ça fait que tout corps qui pour collectivité territoriale, là, pouvoir faire la gagoter dans le ministère de l'Intérieur. Ancien député Ramilis Bolivar, non, micro Amos Breville. Et puis ancienne ministre, Madame Marjorie Michel, sous Bopal, déclaré même le document, ça. Sorti avec un pile signature journée jeudi, il y a pas présent jeudi et vendredi qui a venu là dans la semaine ça, dans Papay, pour participer dans Oumble 4G contre MPP APFEC sous crise politique long et pour chercher consensus dans la mi-temps opposition pour Yves Joanne et pour Jovenel Moïse quitter pouvoir. Et n'a pas entendu Madame Marjorie Michel, secteur démocratique et populaire, toujours dans le micro, Amos Breville.
document par un nouvel don, par un nouveau document. Un document alternatif consensuel lancé, là nous te présenté le 21 juin passé. Il y a un pile secteur qui était là. Nous avons trouvé nécessité pour mal rencontrer le groupe et c'est ça qui fait participer dans le moment parce que nous voulons pour nous rejoindre le plus de consensus possible. Parti politique, personnalité, nous, la société civile, les Petro Challenger, nous avons tout ensemble, nous avons porté suggestion par eux, porté touche par eux. Qui fait que je dis, nous avons travaillé tête ensemble, nous avons travaillé coude à coude, nous arrivons à synthétiser le document alternatif consensuel final. C'est lui que nous avons. Un gouvernement qui est là pour toute couche de la société assise, qui est parti politique, qui est les Petro Challengers, les personnalités politiques, les personnes de la société civile en général, les syndicalistes, les paysans, les représentants des départements, tout le monde, toute couche, de sensibiliser aux représentants pour venir signer à poser signature ça. Nous, vrai Jovenel Moïse, pour aller, et nous avons canva, nous avons procédure, bien tracé comment pour Jovenel Moïse remplacer. Et à travers document ça, tout nous prenons engagement. Pour faire des pièces parti politique, pièces moun nan société civile, pièces syndicalistes, pièces moun nan tout, qui a participé nan élection à Jovenel Moïse, nan pouvoir à Jovenel Moïse. En gros, c'est lui ça que ensemble nous faisons ça au point de vos sociétés à que nous sommes signés ensemble pour nous dire société au niveau national et international que nous-mêmes, les partis politiques et les regroupements, nous prêts pour nous. Déchouquer Jovenel Moïse et pour nous remplacer pour enfin pays ça capable de gagner un gouvernement qui peut travailler pour le CPTO Caribé, massacre à Saline, massacre à Vauvray, tout et crime qui fait sous population leur manifester contre dilapidation fonds Petro Caribé. Et encore, document ça, nous tracer chemin pour mener nous dans la conférence nationale de Mouna parce que faut que nous aller derrière l'autre système qui peut bailler citoyen règle marche à suivre qui peut finalement bon société qui basé sur la justice sociale et non sur l'injustice sociale Jean Penouillère. En gros c'est ça que le document ça acte ça que nous poser aujourd'hui ensemble différents partis politiques bien pour nous descendre à faire solidarité avec l'équipe papa et l'enca font activité nous allons signer nous allons activité ça pour nous signer acte d'engagement avec nous acte d'engagement côté nous tout ensemble nous allons reconnaître faut que Jovenel Moïse, allez, gens que nous faisons là, nous allons signer avec l'autre, nous avons un acte d'engagement pour Jovenel Moïse, allez, pour nous ne pas participer dans ni gouvernement, ni élection à Jovenel Moïse, pour nous marcher coude à coude dans la mobilisation pour Jovenel Moïse qui était au pouvoir. La présidente va arriver lundi. Secteur démocratique et toute couche qui est là, qui est une alternative consensuelle à représenter, pour nous chercher document ça, qui c'est déclaration commune, engagement commune ça, pour nous sortir pays à nos salles là. Voilà, Madame Marjorie Michel, secteur démocratique et populaire, non micro à Montbréville, concernant rassemblement ça qui était fait hier dans l'hôtel Le Plaza. Et puis après, Madame Marjorie Alexandre Brunache, qui te dit l'écrasant qui était ça, non gouvernement ça qui nommé, mais qui pourquoi passer dans le Parlement, ministre culture et communication, Pradel Henriques, qui était directeur télévision nationale, sous même et pouvoir tête calé a démissionné d'après ça source information nous fait confiance fait nous connaît et d'après source information ça dans bon timamite estimé nous fait connaît gain l'autre ministre encore qui t'a dû démissionner avant longtemps nous connaît commission qui a analysé et dossier équipe ça et te dit gain la de te gain problème et diverses qualités problèmes c'est ça qui t'a expliqué gain là dedans yo qui craser yon quitté ça mais en attendant nous connaît c'est une réalité alors que yon pourquoi ratifier devant parlement qui c'est ça qui doit aller depuis longtemps on a parlé de Jean-Michel Lapin qui était là seulement pour te faire yon intérim de 30 jours nous connaît 30 jours il sorti depuis dans mois de mars il mène nous dans mois d'août nous pour chavirer sous septembre et côté même président qui n'a pas parlé à toujours et il prend décision il voye monsieur officiellement aller et il mettait un cabinet bon côté d'affaires c'est des monde c'est au lieu de entrer dans question fondamentale yo c'est plus effet d'a analyser dit oui et il y a parité de genre c'est la jeunesse et la trier mais tout le monde connaît c'est poudre aux yeux c'est pour tromper monde. Eh bien, gouvernement ça qui pas jamais capable devant parlement, en fait, révoquer gouvernement Jean-Michel Lapin hein, et c'est même Jean-Michel Lapin ça, je ne dis qui signait
arrêté qui nomme à la fois un directeur dans tête police dans AI et qui nomme tout et changement et avec une équipe AI avec même gouverneur qui était là Jean-Baden Dubois pendant que vous voyez au moins deux membres et dans ancien conseil là aller dans tête BRH. En parlant de ça, il faut que nous dit là encore Jovenel Moïse il était montré vraiment très élégant parce que dans membre dans conseil BRH là c'est pendant qu'il dans travail, yo apprendre que yo bété yo à terre. Mais monde qui a un courage tout qui pas rien pour faire yo entrer dans marron pour cacher et qui malgré c'est dans route l'aller di ramasser affaires personnelles li di remettre dossier li t'a travail sur avec un pile professionnalisme et puis di là c'est yo monde qui travaille pour l'état haïtien pour peuple haïtien donc malgré affront ça qui gagne pile courage et pour affronter en passant faut que nous dit t'es gagné une seule femme dans conseil administration qui c'est madame Georgette Jean-Louis eh bien vous voyez là parce que question de gens là il a venir parler tant dépendant on pas il y a pas l'eau de oui même va les garçons même va les femmes dans cabinet puis même côté à tout dans rare côté une femme qui a percé dans domaine ça tant que dans secteur bancaire parce que pas grand pile femme qui occupe poste dans domaine ça yo eh bien ouais n'importe qui leur vent beauté et mesdames qui fait un pile j'effort pour arriver dans gros fonction ça yo on dit ça en passant pour pas venir tromper monde les a venir faire comprendre il y a peine une politique en faveur femme et femme professionnelle pour émerger pour capable arriver péter et plafond qui fait en béton armé et ça et pour femme yo dans pays d'Haïti et puis n'a prêté toujours dans nomination pendant que yo voyez équipe la paix aller yo vin avec l'autre équipe Michel Fritz William Michel c'est lui même qui était signé arrêté avec président pour nommer équipe que le pouvoir diriger mais qu'on a même président gain deux premiers ministres qui a signé avec pour monde qui a défendre gouvernement ça avec des gendarmes expliquer ça qui ça lié c'est pour un scandale il gain deux premiers ministres qui a signé avec on l'a défin voyer là qu'on a le faire signer et puis ça qui pas remplacer l'autre là il signe bon l'état et puis l'état paye pour tous les deux un pays côté monde pas avoir petit à l'école pas avoir de médicaments les petits malades dans l'hôpital ou bien famille côté tout pour aux abois ou pas connait si pour monter si pour descendre concernant nomination nouveau directeur AI dans tête police non Rameau Normile. Nous allons attendre réaction sénateur Yuri La Tortue qui estimait un problème procédure dans nomination nouveau directeur et AI police non Rameau Normile. Selon sénateur La Tortue, loi qui crée la police non obligé président pour le voyer dossier directeur général police choisi devant Sénat pour Sénat ratifier avant l'y installer. Et selon sénateur La Tortue qui rappelait cependant tes gon précédent avec Michel-Ange Gédéon sous gouvernement provisoire Jocelyne Privéla qui était haï avant que yo te confirmé. Sénateur La Tortue cependant pas gain problème d'après ça le dit à personnalité Rameau Normile parce que le dit il gain un bon parcours en dedans police nationale. N'attendez le dans micro Vilner Joseph. Au niveau de PNH là moi crois que gain mandat directeur Gédéon qui arrive dans la fin. Cependant, il y a une habitude qui était là depuis sous président Privert pour que vous mettez un directeur AI. Au point de vue légal, le président n'a pas qu'à mettre un directeur AI. La loi recommande ça pour le président fait le mandat. Eh bien, au directeur général arrivé, c'est lui qui fait choix de directeur général là. Il soumet choix à Sénat de la République. Et c'est le Sénat qui a validé qu'on a procédé à l'installation. Il n'y a pas de loi, possibilité pour le président de mettre un directeur à I. Pour qui ça? Parce que tout choix qui est dans la Constitution, que le Sénat doit ratifier, c'est après que le Sénat doit ratifier, que il doit prendre un arrêté en Conseil des ministres pour yo nommer et yo installer. Attitude ça depuis longtemps, il pas bon, il en dehors de procédure légale là parce que normalement un directeur général pour lui prendre charge de la police, faut Sénat valider. Dans Constitution 87 là, yo bail président droit pour nommer directeur général yo,
Mais gagné, directeur général de la police, commandant chef de l'armée et les ambassadeurs, je trouve tout choix ça yo faut yo ratifier par le. Et c'est peut-être ça justement. Yo pas permettre que yo mette yo à I parce que si yo mette yo à I, yo gen droit pas jamais présenter au devant Sénat et a commandé une institution que normalement Sénat doit valider. Et c'est peut-être ça moi t'ai dit que depuis sous GDO, yo pas doué nommer yo à I. Mandat directeur GDO d'arriver à la fin, il faut que bien avant président te fait choix et choix te soumettre devant Sénat pour que au moment opportun yo te ka installer. Cependant, moi pense que comme monde qui était évolué dans la police là, comme ancien commissaire divisionnaire, l'officier Normil Rameau, le commissaire divisionnaire qui était directeur central, eh bien, c'est un professionnel. Son monde qui toujours fait travail li et plusieurs fois moi te gagné soit pour mon travail avec ou même de la l'œuvre, moi reconnaître son professionnel et là nous gain des professionnels yo ka accéder justement à en promotion ou bien en poste dans carrière. Ça, c'est du côté de gardi professionnel. Cependant, nous avons réservé du côté légal, du côté procédural. Parler des procédures. Est-ce que suivant la procédure là, puisque directeur général dans l'exercice là, est-ce que le président n'a pas qu'à redésigner la lui-même? Oui, si c'est l'île d'après redésigner, il n'y a aucun problème que, comme il était déjà en charge, que le redésigné, il fait choix bien avant que le voyait devant le Sénat, bien avant que le mandat finit. Ça veut dire que si l'emporte sur le cas où vous le mandat, s'il a choisi l'autre, il faut choisir le mandat. Mais vous pouvez arriver à terme. Oui, mais dès que le poids arrive à terme, il désigne devant le Sénat pour reballer l'autre confiance. À partir de ce moment, eh bien, si vous pas balle confiance, le mandat arrive à terme, de ça, il est obligé d'aller. Mais ça va tomber dans l'AIA. Non, l'AIA au niveau de la police, au niveau de la loi de la police, et l'officier AI, c'est un officier et de la police qui se trouve au niveau des directeurs centraux. C'est-à-dire que le chef de la police n'est pas là, les Guinéens mettent en AI, dans le cadre d'absence. Mais AI qui l'a connu, ça veut dire que nous n'avons pas gagné un directeur général qui l'a. Et il n'y a pas prévu qu'à ça dans la loi. Et c'est peut-être ça nous dit que le président, il a fait un choix. Les soumettre devant le Sénat, mais à fait de mettre à IA, il n'est pas capable. Voilà, Gadi Mathia, juridique, n'attendez après le sénateur Yuri Latortue, le sénateur Jean-René Sénatus, président de la commission justice, sécurité et défense nationale, Rudy Laptonne et directeur général AI Police, Ramon Normil, vient déposer dossier dans le Sénat pour sénateur ratifier. D'après sénateur Sénatus, nouveau commandant police, non, commandant chef, non, et gagne un bon passé dans l'institution de la police, non. Sénateur Lestan déclaré Laptonne et Ramon Normil Bali yon avant-goût dans une série de dossiers côté c'est là Laptonne dans Kafou ça, tant coup dans Kafou gang qui achetait paya l'argent comptant, par exemple qui empêchait population vivre dans au moins dans moitié dans pays a et jodi a yo bay une démonstration sans pareil dans zone bicentenaire. N'attendez sénateur Jean-René Sénatus dans micro Vinel Joseph. Moi constater que Normil Rameau c'est un ancien responsable dans DCPJ qui mène en pile combat dans ça concerné démantèlement gang en dans pays a combat corruption qui est dans l'état par entremise par combat banditisme organisé a moi seulement connais monsieur Rameau qui pour venir ici a en termes de procédure pour venir déposer dossier que nous pral gagner pour analyser comme commission justice et sécurité mais puisque Normil Rameau il est déjà en poste depuis hier il est en poste dans un moment que pays a traversé un contexte qui est difficile. Côté gain 4 départements plus on belle partie dans l'ouest là qui est praticable que tout on a couru et au moment côté parent yo pas connait comment on va mener timoun yo l'école quoi que situation économique là les difficile en pile mais on pas comment on va traverser pour mener petit yo l'école dans conditions sécuritaires pareil. Normil Rameau pas un nèg qui fait vini et puisque l'installer moi m'a tenir dans procédure pas non. Procédure pas non c'est à regarder est-ce que pièce est bon mais je dis c'est un petit goûter non mais Normil Rameau avant venir ici ça veut dire qui ça les deux bon petit goûter en matière de sécurité pour moi est-ce que Samuel là c'est lui qui a prêté encore dans une deux semaines et puis là ça m'a connait en termes de procédure comment pour aborder question. Ah, c'est le président de la commission justice, sécurité et défense nationale dans le Sénat, sénateur d'Ouest, Jean-René Sénatus, dans le micro, Vinel Joseph. N'attendez de quoi elle est là, madame Marie-Hélène Gilles, directrice exécutive FJKL,
directeur général AI Police Nationale là, monsieur Rameau Normil. Et Michel-Ange Gédéon, il faut que nous reconnaître. Pendant le passage, il y a peut-être la police, là, soit sinon agent pour dériver directeur général de la police. Ça, c'était un bon exemple. Mais nous croyons que c'était tellement bien piquant qu'on est là, qu'il travaille, il était fait tout ça, il était capable, pour être capable de faire la société à service. Je dis à l'IPALA, c'est Normil Rameau qui prend place là. Nous avons souhaité la police là toujours fait effort, puis on pas à rentrer quoi en bas des politiciens, pour politiciens autour quitter responsable la police pour au travail, puis au capable sécuriser pays à conformément à la loi. Qui ont ouais et travail nouveau des GPNH dans un contexte politique difficile dans vivre journée jeudi un situé avec gang armée qui envahit dans tout pays. Bon, directeur la police là, le message que l'IBAE là, il parle. À midi. Nouveau directeur, la police là, il y a déjà mal poule pour qu'on ait qui j'en pour le faire travailler. Pas oublier, directeur Gédéon, t'es toujours à dénoncer le fait que c'est à bout de zone que la travaille. Nous t'as souhaité que la police là joue un moyen pour le capable de faire travailler. Pendant ma douce, nous fouille que elle fait dernièrement dans une box, dans la machine, et côté où t'as arrêté moun dans quatre dossiers qui liés, sénateur au nom du là. Yo joint fiche gaz à 1000 goud qui évalué à plus que 350 000 goud à le changer en cash parce que fiche t'a expiré alors que ou va l'entendre ensemble avec la police pas jamais gien moyen pour capable faire travail yo dans weekend ça encore fondation j'ai été capable confirmer pour vous que on patrouille la police pour t'a sécuriser un groupe jeune qui te gen problème, la police pas de gaz pour te capable de faire travail. Donc, pour te dire que gaz a trimé, a circulé, pas si pas là. En veux-tu en voilà, côté gaz a expiré, alors que la police là lui-même, il pas gen. Donc, nous croyons que il faut que nous mettons moyens à la disposition de la police là pour travailler là capable de faire conformément à la loi et au règlement de la police nationale d'Haïti. Madame Marie-Hélène Gilles, l'Hélène, qui t'a répondu à la question Kétia Jean-Pierre Télomain. Jean Tétendé, directeur exécutif RNDDH, tant est révélé lien, M. Pierre Espérance. Bataille contre gang, non, semble pas pitié, puisque gang yo bien plogué. Les que c'est gros chef, ou bien mon ancien chef, qui a financé des chefs gang, tant qu'ou Arnel J. pour Joseph, au moins trois fois voué l'argent bayo. Et côté que l'on connaît que gang armé a fait gardinaï de gros résidence et c'est pas un dossier petit. Mais directeur exécutif NDDH, M. Pierre Espérance, il a parlé de directeur AI et police nationale Rameau Normil, il rappelait c'est lui-même qui est arrivé démanteler gang Galila et puis avec gang et Clifford Brenton. Sénateur l'Ouest Antonio Cherami Kato et pas caché tête chargé le gain face à détérioration conditions socio-économiques pas seulement dans le domaine sécurité mais dans le domaine social économique population aux abois l'école la pral ouvrir 9 septembre qui a venu là devant situation ça et sénateur Cherami mandé l'état haïtien payer employé un 14e mois pour capable voir petit de l'école et sénateur Cherami fait partie de groupe et 4 sénateurs, mais pas 4 seulement dans l'opposition au pouvoir, mais il fait partie d'un bloc 4, nous connaissons qui marqué législature ça, dans des initiatives qu'il prend, et tant qu'on a un dossier premier ministre Lapin, oui, il croit que il y a nécessité pour le gouvernement porter maman et papa petit assistance dans l'occasion d'ouverture de l'école. Là. Parce que 14e mois, c'est pour mon cap travail, mais là, nous connaissons 3 cap pas ici, c'est dans le chômage lié, donc c'est un aide sociale directe pour le tabac, nous avons le sénateur Antonio Cherami qui a parlé comme ça dans le micro Vinner Joseph. Il a annoncé l'école à ouvrir le 9. Il a annoncé qu'il a subventionné livres ou ensemble de bagages qu'il a habitué à subventionner chaque année. Côté ma parole avec nous, il est clair que maman et papa petit, par contre, côté subvention, ça y est. Parce que il a fixé date l'école le 9. Ce n'est pas après le 9 que vous avez acheté le livre à cahier. Il faut que vous avez le livre pour commencer l'école. Vous n'avez déjà pas les mêmes moyens pour acheter.
et subvention pour qu'on fait. Moi t'a remé qu'on est. Est-ce que ministre avant de faire des pour te réfléchir à version pour faire maman avec papa petit dormi, mais jodi an pas ka gen dormi. Pas qu'à gagner dormi le monde arrivé et vous parlez de subventions. Moi connais ça toujours fait chaque année. On livre qui t'écoute par exemple 15 gouttes. Un groupe petit monde qui a moyen qui peut aller et puis un autre groupe yo même qui pas gagner moyen qui pas aller. Ça c'est yon. Je dis à nous qui ça qui passé dans le ministère des Affaires sociales. Contractuel pas qu'à toucher. Toute boîte d'état yo, TPTC, monde pas qu'à toucher. Dans différents autres boîtes encore, moun pas qu'à toucher. Y a monté, y a pas ajusté salaire personne moun. Ça veut dire maman et papa petit fait carré des problèmes. Nous ouais tout qui quantité gagote qu'a fait dans toute boîte l'état yo. Quel était parlement, quel était la présidence, quel était la primature. Je l'école l'arrivée, moi vle édu aller là pour le clair avec maman et papa petit pour dire yo. Côté subvention, il était pas léon. Et puis, mes amis, bon 14e. Mes amis, entre nous. Tout le monde connaît l'école pour l'ouvrir, toujours bon 14e, l'in en budget. Il prévoit pour moun pour entrer l'école. Bon, côté, bon, il n'y a pas même besoin de parler de lui. Il n'y a pas même qu'à payer moun yo, moi, normal, aller voir pour 14e. Nan. Ça veut dire, nous avons l'État aujourd'hui qui est comme seulement les besoins font vote pour le. Voyez l'argent. Nous besoin l'État. Gardez ça qui se passe dans la mise en accusation là. Président acheté mise en accusation. Carré, il acheté. Je dis, nous clair que monsieur, ce n'est pas pays à faire. Et je ne vais pas aller trop loin. Je dis, peuple haïtien, restez véatif. Et je dis, ministre de l'Éducation nationale, pressé, dis au moins avec maman et papa petit. Et puis avant d'aller, ministre des Affaires sociales là. Est-ce que moun la saline qui sous place là? Est-ce que vous pouvez déplacer pour venir garder et pour garder comment pour accompagner pour rentrer à l'école? Ou pas rentrer dans le Parlement, c'est comme ça que je peux avoir, je vous un message là-bas pour me dire. Est-ce que vous pouvez prendre le chita pour garder qui joue pour accompagner les gens la saline qui sont place pour qu'on qui gens rentrer à l'école fait pour eux tout eux-mêmes? Est-ce qu'il y a prêt comme ça? Et PPLS, t'es qu'à organiser pour mettre mon yon côté, pour faire logement social météo, mais nous préférons être à gagoter l'argent, faire politique, bail menti, bail pep menti. Je dis à nous, deux premiers ministres qui ont boulé l'argent, c'est ça seulement que nous venons régler. Pendant ce temps, maman et papa petit, ils ne savent pas qui c'est pour y aller.